Bangalelo, président intersyndical, Azozo Maloba, Ayebi Sabino, Ndeni Torosan, la grève Yango. Boyete! Méritocratie et santé. RTNC, Toboya Kotika Kalelo, lobby a comme chef de service. Toboya Moussala lobby, parce que Aswami, ce qui n'est pas ministre, lobby tout a comme directeur. Parce qu'on peut engager le gouvernement des directeurs. Méritocratie et santé. Bolanda, Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Émission na bino bolinga kaming émission na bino zalaka na pona ko pesa bino baktualité nyoso yamboka na biso lelo masolo amboke koi awa précisément na carte RTNC bozo mona déjà simananga ba gens ya RTNC bazali libanda bazali ko revendiquer ba droit na bango ba droit nini ngai na bino to ebite mais boyo ka bango na micro ya roli na wezi e bongo to kuta na sima merci. Bangalelo, président intersyndical, Azozo Maloba, Ayebi Sabino, Ndeni Torosan, la grève Yango. Boyete! 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 Président fondateur, Abandaki Koloba, Oye Zosa, la Makasi Tangai, Ezali, bino le bon de mi awa. Le bon de botele mi awa. Bon ami, force, y a intersyndical, y a makasi. Bon mi bête, là d'abord, bino mo, comme ma go. Chef de service. Nous t'envoyons pour ça la lobby. Parce que Aswami, ce qui n'est pas ministre, lobby tout la commune directeur. Parce qu'on peut engager le gouvernement des directeurs. Méritocratie et santé. Il y a un moyen de revendiquer Bazouan Abisso. Tout soit carré devant cité. Bassinia par M. Yassika depuis 2019. Si les gens Congo ont un Kendakawan, il y a un moyen de revendiquer Mongo Abisso. Boca y Oca.
Kimia hors de compte na RDC. To te placer grève na biso lelo. Grève yo pona ba to na ba revendication e belé. To na ba ka pe 25% na biso tetati. Solde ya barème na biso ya 2019. To do revendiquer ango to lingi e futa mana mois d'octobre oyo. To sengi barème ya sika. Ministre a signé, tu n'es pas mon ministre à budget. Et le cas, n'a pas le mal. Tu as un guide de vase dans le bisou. Et là, de vase dans le bisou. Dans le niveau ALPTC. Pas foutre à bisou primaire de vase. Tu as un guide ma condition de travail. Matériel et santé. Où est-ce que c'est santé? Hygiène au travail. Tu as un guide ma condition, madame Yamboussala. Je répète pour dire, on en a marre. Avec le conseil d'administration de la RTNC. Ils ne sont pas là pour aider le chef de l'État. Le conseil d'administration est foutu. Il y a les gens qui ont beaucoup d'années, ils ne font rien. Ils sont là pour servir leurs propres poches. Alors que les agents et cadres de la RTNC sont groupés dans le malheur. Il n'y a même pas le retraité de la RTNC. Nous avons vu les retraités d'autres entreprises et non pas pour les retraités de la RTNC. On met aujourd'hui tout fini, tout s'arrête. Il n'y a même pas les orphelins, même pas les veuves, même pas les veuves, même pas qui que ce soit. Alors nous demandons au chef de l'État, on est en train de vous combattre pour échouer. Ouvrez l'œil, chef de l'État, ouvre l'œil, on ne vous aide pas. Nous avons grévé en fait, si on peut le dire. On ne grève pas contre quelqu'un, mais on grève contre le système en réclamant ce qui nous revient de droit. Vous voyez? Alors, le préavis a été donné. On estime, ou on a comme l'impression, l'interlocuteur n'a pas dû faire aussi sa part. Alors, sur ce, comme la date est la date prévue, nous y sommes. Voilà pourquoi nous avons grévé. Donc, nous grévons pour réclamer ce qui nous revient des droits. Avril 2019, jusqu'à aujourd'hui, on ne le paye pas. On a demandé qu'on régularise d'abord cette situation. Toujours relativement au salaire, nous avions préparé un barème salarial qui devait être signé par le ministre de la Communication et Médias, qui est notre ministre de tutelle. Il devait signer, transmettre au ministre du Budget afin que cela puisse être négocié à la conférence budgétaire. À notre vérification, le ministre n'avait pas signé. Vous suivez aujourd'hui, le DG est en train de vous dire que le ministre avait déjà signé le barème. Ça, c'est une manipulation, c'est un mensonge. Pourquoi je dis ça avec force? Parce que nous avons été au ministère du Budget pour vérifier si réellement les documents avaient été transmis en temps. Les documents n'étaient pas transmis. Et si le ministre affirme aujourd'hui qu'il avait déjà signé et transmis, peut-être il peut le signer aujourd'hui pour flouer les gens. Preuve, pourquoi on n'a pas parlé de ça pendant la conférence budgétaire? Parce que si c'était signé et transmis, on aurait dû en parler pendant la conférence budgétaire. La conférence budgétaire a démarré et a pris fin. Donc, le ministre n'a pas signé. Ça, c'est sur le plan salarial. À la RTNC, quand vous terminez votre carrière, partout, on vous parle de la pension de retraite. Vous allez en retraite. À la RTNC, les gens qui terminent leur carrière professionnelle à la RTNC, on les jette dans une chambre, ce que nous appelons la chambre à gaz. C'est-à-dire dans l'antichambre de la mort. On vous jette là-bas, allez mourir,
et on ne parle plus de vous. Pas de, de compte final qu'on doit payer. S'il vous plaît. Pas de compte final, s'il vous plaît. On ne vous a pas immatriculé à l'INSS qui doit vous prendre en charge. Pourtant, chaque mois, on leur retient à la source des cotisations sociales. Ces cotisations sociales, depuis des années et des années, on leur retient cet argent. On le verse où, on ne sait pas, vous et moi, nous ignorons. Mais l'État, qui doit veiller à ça, pour trouver qui est en train de détourner jusqu'ici cet argent, jusqu'ici l'État n'a rien fait. Nous lui avons écrit des dizaines et des dizaines de lettres, même pas d'accusés de réception. Ça, c'est le départ de l'État. Nous avons la redevance, qui est une taxe parafiscale donnée, attribuée à la RTNC par une loi, s'il vous plaît. Mais cette taxe, depuis 2012, qui doit générer des millions et des millions, je ne parle pas de francs congolais, en dollars, ces taxes là-bas sont détournées au lieu que ça profite à la RTNC, aux travailleurs et à la réfection du matériel. On n'en parle pas. Nous avons écrit à l'État congolais, on dirait qu'il ne nous entend pas, ou bien il lit nos correspondances. Peut-être il est envoûté, il ne voit rien sur les papiers. Je parle de l'État, j'incrimine l'État congolais. Masolo ya mboka émission na bino zaka toujours na terrain kaka ndena mesana ko yebisa bino tozali awa précisément na RTNC na la une bozomola ke makambo ngo zaka mutu la fois passé to mona ki ba maman ba komola kana nzela ba cantonier basali grève na bango pour bazo futa mate 10 mois impayé to komona li susu ba enseignant basali pe grève awa lelo ezali RTNC ah Congo. Est-ce que le logo est boy? Ma camoude ma camozo kende. Tozo kende nango wat, to rosuka nango pe wat. Boyo ki bino moko ba jeune RTNC ne bazali koloba. Ba futa makate. Mais ba tu mususu ne bazo ka salaire. Ba mususu ba yako sala musala, ba mususu bazu salaire. Ba kambwa soni. Tozo ko ba se ko ba na masolo yango, tozo ka na musala mususu te. Na pesi merci mingi na Roli na weza za kisima kamera. Merci mingi na velo la. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Merci. Boulanda, Masolo Yamboka, Masolo Yamboka.